Voilà, une semaine intense se termine ici. Pour moi, j'ai réalisé l'entraînement de Saitama de One Punch Man. C'est-à-dire, il fallait faire 100 squats par jour, 100 pompes par jour et surtout 10 km tous les jours avec mes petites sandales. Alors, on va voir si c'est un effet bénéfique ou pas. Je mets ma caméra GoPro sur la tête et je vous montre ce que ça donne. Bon bah c'est plutôt bien. Bon allez, on se retrouve juste après l'intro. C'est bon retour sur la chaîne. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, est-ce que je suis devenu un super-héros ou pas du tout? Eh bien, je vais suivre l'entraînement de Saitama, le héros de One Punch Man, un héros de manga et d'anime que vous pouvez retrouver sur Netflix notamment, par le dessinateur One. Alors cela consiste tout simplement 100 pompes par jour, 100 squats par jour et surtout 10 km à pied tous les jours en courant. Alors on va voir ce que ça donne au bout d'une semaine. Si je tiens le coup, si je tiens pas le coup, je vais filmer au jour le jour et vous allez suivre la progression. Allez, c'est parti pour le premier jour. Ce putain d'entraînement, cette putain de semaine, excusez-moi pour le terme, se termine enfin. J'en ai chié, croyez-moi, j'en ai chié. Là, il pleut plus. Ça a été une semaine cataclysmique. J'ai commencé par un superbe temps, une bonne douceur extérieure, et c'est, ça a été de pire en pire tous les jours. Heureusement, vous voyez, aujourd'hui ça se termine sans pluie. Alors, pour résumer, eh ben, en un mot, ne le faites pas, ne faites pas cet entraînement tout le temps. Vous allez vous flinguer. Je vous explique pourquoi. Pas de régime particulier. Je mangeais juste une fois par jour le soir, un repas normal, ce que préparait ma femme. Donc rien d'exceptionnel, si je peux dire ça. Par contre, j'en ai vraiment chié. C'était au niveau des répétitions. Alors, les répétitions de squat pour moi ont été terribles. Ça a été vraiment le plus dur. Les pompes, ça va. J'avais l'habitude d'en faire, mais les squats, c'était trop dur. Vraiment, trop dur. Au niveau de la course, par contre, premier jour, deuxième jour, nickel. Je pense que je marchais sur mes réserves. Impeccable. Arrivé au quatrième jour, la machine a commencé à se gripper. Mais je tenais encore. Le cinquième et surtout le sixième jour, eh ben c'était vraiment difficile. J'avais des courbatures partout. Mes muscles
il fallait attendre minimum 5 km avant qu'il soit chaud, avant que les crampes soient parties. J'en ai vraiment bavé. En plus, j'étais avec mon petit kawaii trempé. C'est vraiment pas une figure de style, vraiment trempé à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'était vraiment pas agréable. J'ai utilisé aussi de la vaseline que j'ai achetée. Ah bah voilà, je passe le 9e kilomètre, j'y suis bientôt. Oui, de la vaseline que j'ai achetée en supermarché, que vous pouvez acheter aussi en pharmacie. Vous achetez de la vaseline toute simple, hein. Pas besoin d'acheter un truc de sport. Sauf si bien sûr vous avez votre propre marque qui vous convient, mais de la vaseline simple, c'est nickel. Je suis en pleine campagne et ça n'arrête pas. Bon, on est mercredi, mais bon, je le veux bien. Bref, l'entraînement donc de Saitama, bah, comme vous avez pu le voir, s'il le fait réellement toutes ces années, eh ben, je me demande comment son corps a réagi. Perdre ses cheveux, sûrement. La sueur, les hormones, paf, ça vous fait tomber. Mais le reste, c'est blessure assurée. Donc ne le faites pas. Ou alors faites-le comme moi une semaine pour vous amuser. Voilà. Allez, je suis presque. Mon dernier petit demi-tour. Ouh. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Hein, je ne sais pas où encore. En France, à l'étranger, seul. Eh ben, l'évolution du virus nous le dira et me permettra de participer à des courses, de faire quelques excursions ou pas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut. Protégez-vous, protégez les autres. Bye bye, tchuss.